Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. C'est l'édition Chita dans des nouvelles ça qui entre la caillou. Moi, c'est Met Info. Quel que soit votre branché, nous disons bienvenue sur le canal Information sans fausse côté. Nouveau directeur général PNH, la France LB, lui promet pour le faire toute salle qu'on est pour le permettre, eh bien, question sécurité à lui retourner dans le pays d'Haïti pendant le promet pour le renforcer police nationale d'Haïti où il est capable de travailler, météo en confiance. Grève pirate dans le pays d'Haïti à partir lundi qui a venu là, sorti lundi 25 pour arriver et mercredi 27 octobre qui a venu. Donc c'est association chauffeur avec association propriétaire machinio qui lançait donc en opération fermé pays pour protester contre question insécurité avec vague kidnapping qui blaye sous pays d'Haïti avec question gaz qui pas capable gagner dans pompio pour population servie. Directeur exécutif RNDDH La Pierre Espérance continue mandé Premier ministre Ariel Henry pour le révoquer ministre intérieur collectivité territoriale Litz Kitel qui s'est en même temps mené justice donc pour présumer implication dans enlèvement za kidnapping qui était fait sous pasteur Jean Ferrer Michel. Donc, il demandait pour lui, eh bien, capable pour le Premier ministre révoquer pour le capable répondre question la justice sous dossier SILA. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est toujours un véritable plaisir pour nous rejoindre, pour nous présenter l'édition nouvelle ça nous préparer pour. Donc, Jean nous annoncé au lit, gagné un nouveau directeur de la tête police nationale d'Haïti, qui c'est France LB, qui est remplacé. Et donc, Léon Charles, non pas ça, qui démissionnait. Donc, c'est Premier ministre Ariel Henry, qui lui-même était installé non pas ça. Donc, la date jeudi 21 octobre 2021, non après-midi. Donc, le Premier ministre là, donc remercie Léon Charles, ancien directeur, pour bon travail. Il dit qu'il fait la tête la police là depuis 11 mois. Donc d'après Premier ministre Ariel Henry, si ce n'est pas de travail DG à IPNH là, Léon Charles, ancien DG à la tête police là, et mes situations, sécurité pays a été capable plus grave pour ça qui vient à ouais avec nouveau directeur général à IPNH là, France LB, Premier ministre Ariel Henry dit, donc il compte sur lui en pile pour rétablir sécurité, un climat sécurité qui est correct dans le pays d'Haïti pour l'ordre capable de rétablir dans le pays. Donc, pour cette violence infernale, ça capable de suspendre sous le pays pour la vie normale, capable de reprendre pour stabilité avec démocratie, capable de retourner avec pour institution capable de récamper. Nous invitons à suivre la déclaration du Premier ministre Ariel Henry. La vie n'est pas un fleuve tranquille. Elle est faite de hauts et de bas. Et aujourd'hui, nous procédons à l'installation de nouveau directeur général par intérim de la police nationale. Nous voulons dire merci tout d'abord au DG Léon pour les sacrifices qu'il a pu consentir pour servir. Sa tenure s'est passée dans une période très difficile. Et si le pays a tenu jusque-là, c'est grâce à son action. Merci encore. Nous avons reçu sa démission aujourd'hui et nous devons installer un nouveau directeur général. C'est Monsieur Franz. Monsieur le DG, nous comptons beaucoup sur vous. Nous comptons pour que l'ordre soit rétabli dans le pays. Que ce cycle de violence que nous vivons s'arrête et que nous puissions nous diriger vers une vie quotidienne plus normale. Et qu'ensemble, nous puissions retrouver la voie de la stabilité et de la démocratie institutionnelle. Notre objectif, c'est d'avoir des élections, mais pour avoir des élections, il faut avoir la vie, il faut avoir la sécurité.
nous n'allons pas faire de bon discours. Nous disons le temps est au travail et la population compte sur vous. Je voudrais vous remettre une copie du moniteur. C'est une copie de votre nomination comme DG. Nous espérons et nous souhaitons, et nous en sommes certains, que vous aurez la coopération de l'ensemble de la police. Nouveau directeur général AIPNH, Franz LB Soubopal, lui remercier Premier ministre Ariel Henry pour être lui choisi comme DG AIPNH, comme nouveau DG AIPNH, dans un moment difficile, ça, pays a connu. Côté problème insécurité a donc li grave en pile kidnapping yo donc zak kidnapping yo donc cap augmenter chaque jour plus dans région métropolitaine Port-au-Prince côté moun pas capable circuler donc pendant gang armé yo même eh ben yo a fait la loi dans yon quartier dans Port-au-Prince. France LB reconnaître situation. Donc sécurité pays a li tellement accablant, li tellement grave, donc population donc li gen de l'eau nanje. Donc France LB dit situation insécurité a même rivé affecter toute composante l'état a. Donc au point gagne problème gouvernance sous plan politique. Donc côté l'état li affaibli net. Sous plan agricole, insécurité a baissé production nationale là. D'après France LB, sous plan économique, pas gagné nouveau investissement qui fait, ça qui la cause, le chômage là a augmenté chaque jour plus, touristes pas visité pays là. Donc, monnaie locale là a perdu valeur chaque jour devant l'argent étranger. Donc, baisse recette fiscale et latrier. Dans ce sens, pour redresser la situation, donc France LB promet au état-major, au commandement police nationale d'Haïti, pour le travail sous leadership, dans la tête collée avec le gouvernement, avec la population, pour bailler résultat. Y a cherché à France LB, nouveau directeur général à IPNH, donc reconnaître li dans un gros combat. Donc, li promet pour renforcer la police nationale d'Haïti. Pendant le travail ensemble avec le gouvernement pour apaiser la frustration policière, nous invitons à suivre la déclaration nouveau de GAIPNH, France LB. Le tableau que je viens de vous peindre est sombre, accablant. Face à cette situation, il en combat tout un chacun d'apporter leur contribution au redressement de la sécurité du pays. L'élaboration et l'application des politiques publiques de sécurité avec des objectifs politiques, avec des stratégies et des actions bien définies s'avère indispensable. Au niveau de la police nationale d'Haïti, le recommandement uni. J'ai bien précisé le recommandement uni. Avec l'appui gouvernemental, va prendre des mesures afin de sensibiliser, motiver les policiers et le personnel administratif sur l'accomplissement de leurs tâches à ce carrefour historique de la nation haïtienne. Nous allons renforcer les dispositifs de sécurité à travers tout le pays, spécialement dans la zone métropolitaine, en vue de prévenir les cas de kidnapping, empêcher les malfrats de commettre leurs forfaits, permettre à la population de vaquer paisiblement avec toute quiétude à leur occupation. Combattre le banditisme, le démantèlement des gangs, le trafic illicite d'armes à feu seront nos principales priorités. C'est un gros combat.
combat ça a besoin d'appui tout le monde dans la population. Quel que soit côté, quel que soit le secteur, quel que soit le groupe. Là, le moment, le pays a besoin de toute petite li pour que nous redressions la situation que nous avons aujourd'hui. Frère Axem, policier, je connais que nous avons confronté un pile problème. Et des fois, nous sentons nous frustrés. Nous quand même dépassé de nous-mêmes. Sans perdre du contrôle, tellement frustration grande. Il y a des fois nous sentir nous délaissés. Il y a des fois nous pas même courage pour nous prendre la rue. Certains de nous et nous courage tout 21 garçons avec femmes malgré toutes difficultés qui gagnent, malgré tout problème qui gagnent qui toujours prend la rue pour répondre à la responsabilité que gagnent. On promet nous que le commandement avec autorité politique main en main, nous pensons que nous prenons des mesures, nous prenons des mesures pas à pas pour que nous améliorions les conditions de travail policier. La population réellement compte sur nous. Le moment difficile ça. Moment mandé en pile sacrifice, li mandé en pile engagement. Parce que moment, n'est pas un moment de jouissance de privilège. Donc c'est un moment de sacrifice, un sacrifice pour pays, un sacrifice pour population. Collectif Défenseur Plus dit li accueilli arrivé nouveau directeur général à IPNH la France LB, Antonal Mortimer. Donc, exhorter nouveau DG à IPNH pour prendre toute disposition qui est nécessaire dans l'objectif pour le capable eh bien, rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays d'Haïti. Gagné Sinapora, qui est Youn dans le syndicat police nationale d'Haïti, a gagné dit qu'il prend acte de arriver nouveau DG à IPNH France LB. Lionel Lazare, qui est coordonnateur Sinapora, souhaité pour nouveau DGA. Mettez les policiers en confiance pour être capable de travailler plus bien. Dossier kidnapping, gagné RNDDH, donc il y a acquisé ministre intérieur à collectivité territoriale, qui c'est en même temps ministre justice, Litz Kittel, donc qui est eh bien lui-même, comme quoi c'est lui-même qui t'a donc marré complot pour être capable de kidnapper pasteur Jean-Ferrer Michel. Pour une question jalousie, donc Pierre Espérance mandé DCPJ qui c'est direction centrale la police et judiciaire donc pour l'ouvrir une enquête pressée sous dossier ça avec pour premier ministre Ariel Henry révoqué ministre Litz Kittel donc qui c'est ministre justice et ministre intérieur pour la répondre question la justice sous dossier enlèvement pasteur Jean-Ferrer Michel. Donc, il a accusé, donc RNDDH accusé Litz Kittel, ministre intérieur, comme quoi l'État a complot pour te enlever, eh bien, pasteur Jean-Ferrer Michel, qui jusqu'à présent n'a mais donc kidnappé. Donc, on a rappelé madame pasteur Jean-Ferrer Michel, ensemble avec petite fille, eh bien, t'es fait une vidéo côté au postel sur réseaux sociaux, côté au t'as demandé libération pasteur Jean-Ferrer Michel, malgré, yo dit, malgré, eh bien, rançon. Donc, kidnappé, yo t'es demandé, eh bien, yo bail rançon. Hein? Donc, malgré ça, eh bien, yo kembe pasteur Jean-Ferrer Michel, nan men yo toujours en otage. L'autre information, association propriétaire machine avec association chauffeur, donc qui regroupe tête dans plusieurs fédérations syndicales, annoncé y a fermé pays pendant 3 jours lundi, disons sorti lundi 25 pour arriver mercredi 27 octobre qui a venir là, Jean y a été annoncé ça, disons mot d'ordre grève ça, semaine qui saute passé à là. Opération ça donc l'hypothèse non ferme un pays donc l'idée est respecter dans tout pays d'Haïti d'après ça il fait qu'on est
Donc, sorti 25 pour arriver 27 octobre, cap venir pour être capable de protester contre le phénomène insécurité avec kidnapping cap valé terrain dans le pays d'Haïti avec tout question problème gaz et pas capable de joindre dans le pompio. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est là nous campé, accessions information ça, nous remercions pour écouter avec attention, c'est des amis frères mettre info qui t'observer, nous casser rendez-vous demain même là même chaîne si papa bon Dieu content. À bientôt.